par souci de devoir de mémoire, moi féliciter et remercier chaque monde qui là pour nous participer ensemble dans cette cérémonie ça que nous organisons là de façon anticipée. Il y a un secteur qui était touché par catastrophe ça, c'est le secteur panouan qui c'est le secteur éducation. Li pas un secret pour personne que 80% parc scolaire là est détruit et surtout dans le département l'ouest parce que bon nombre de lycées nous bon nombre de l'école nationale nous et en pile l'école privée t'est tombé jour ça naturellement bâtiment nous hein, côté nous est là, il était détruit. Et comme le directeur général adjoint a dit, nous avons environ 11 personnes qui étaient perdues. Mais en dans l'école, tout, nous avons perdu. Nous avons perdu en pile enseignant. Joue ça. Donc, ceci dit, si nous faisons une étude comparative, secteur éducation joue ça. C'est un secteur qui t'est subi en pile. Mais au-delà de solidarité que t'es gagné joue ça côté moun tap bay moun la même moun tap essayer sauver moun en bas des combres, gagne un élément fondamental que m'ta remet rappeler à chaque moun qui là. Côté solidarité ça a passé. Côté solidarité ça a passé parce que 4 ans après joue ça, nous recommençons dans même hypocrisie nous. Nous recommençons dans le même monde à tous les monde. Nous recommençons dans le pipiti pas qu'à grandir en bas plus grand. Un dans ministère la même. Sac plus faible pas qu'à grandir en bas sac plus gros. Un dans ministère la même. Solidarité sac te gagne un jour. Ça nous perdule. Parce que esprit. Pour nous accompagner les gens qui sont plus faibles, nous avons oublié après 4 ans. C'est un moment pour me dire, Jean-Ministre, comme habitué, nous sommes famille. Et le résultat que nous avons gagné pour nous dans ce secteur-là, il faut que non seulement le ministre soit impliqué, il faut que non seulement moi-même en tant que directeur général, Télémaque en tant que directeur général adjoint impliqué, mais les gens qui ont balayé la cour, gardien. Ménagère là, faut qu'ils soient impliqués pour être capables de faire des résultats. Et relance secteur là, il passe par là. Il passe par implication chaque grain de monde qui l'a. Et à chaque fois, nous avons gagné pour nous poser un acte, penser à Mounsayo, qui après le travail, est resté en dans le ministère là. Parce que vous estimez éthique professionnelle, vous êtes obligé de rester pour être capable de prendre responsabilité pour que les gens qui viennent chercher service dans demain soient capables de bénéficier de ce service-là. À la fois content et triste. Content parce que moi ouais que nous pas oublier les gens qui étaient proches de nous, qui allaient. Triste parce que tout le monde était très cher avec nous. Donc, c'est que 4 ans après, et nous vivons toujours et que c'est que bon plan pour nous. Bon plan que, qui est destiné pour nous, sinon nous devons aller même avec tout le monde. Donc, c'est avec un sentiment de joie, d'une part, et avec un sentiment de chagrin. Que moi vie je dis. Bon, moi je dis me dépasser 4 jours. 4 jours, oui. Parce que moi je suis sorti jeudi ou vendredi soir. Vendredi soir. Oui, si nous remarquons que moi fais 4 opérations aux États-Unis.
et moi j'ai facturé toute la yo pied moins ceinture était presque cassée, j'ai dépensé ceinture était cassée mais et ceinture pas cassée vraiment. Donc c'est ça. OK, à 48 heures avant janvier qui va faire 4 années depuis quand j'ai dit ça dépassé. Et est-ce qu'on pas bon message et pour vous bail risque yo monde qui gagne des victimes toute nation. Bon, message moi t'avoir c'est que faut pour nous tous prendre courage, faut nous connaître que la vie continue. La vie a continué et c'est ça qui est plus belle dans toute bagaille. Mauvais temps qui a frappé nous, c'est vrai, mais depuis nous gagnons la vie, c'est ça qui est important. Donc continuer lutter avec paralysie, commencer et continuer lutter avec les problèmes. Il y a des gens qui perdent tête, il y a des gens qui perdent les bras. Prends courage avec eux parce que si nous vivons, nous avons raison qui fait nous vivre. C'est un contexte pour nous songer tout le monde qui était là avec nous dans le ministère de l'Éducation nationale. Qui disparaît dans l'occasion du tremblement de terre 12 janvier 2010. Et ce n'est pas un bagage qui fait côté que n'a célébré mort, mais c'est des gens qui ne sont pas malades, mais qui tragiquement disparaissent en un clin d'œil. Nous gardons encore en mémoire, et surtout, il y a un pile dans eux qui disparaissent. C'est par rapport à ce que vous avez pénétré de conscience professionnelle, vous avez pénétré de services éducatifs que vous devez offrir par les clients ministères qui fait ça arriver. Dans la mesure où le tremblement de terre est passé à 4h53, ça veut dire que c'est des employés, si vous avez respecté l'horaire normal là, à 4h qui t'apprennent la caillou, mais qui continuent à faire service. Parce que vous connaissez, il y a des gens qui viennent chercher service dans main le lendemain, donc dans le même ministère là. Et c'est comme ça, yo, by vie, nous avons estimé que le jour ça, c'est un jour pour nous avons pensé spécial à eux-mêmes. Ni ça qui est victime qui a les net, ni ça qui est victime, soit dans un membre dans le koyo, soit plusieurs membres dans le koyo. Donc nous avons tenu à ce que pour nous faire une cérémonie de la sorte. Alors et pratiquement activité ça c'est hommage que le voté comme nom ou bien comment le pratiquement non c'est une cérémonie à la mémoire des disparus. Alors si on capable rappeler pour grand public là et nous perdu combien de membres au sein du ministère de l'éducation nationale? En dans ministère de l'éducation nationale nous perdu 11 moun et d'ailleurs on fait un coup de flash sur liste là qui là avec photo yon nan disparu qui c'est madame Hall qui t'a travaillé dans Bunex. Donc c'est 11 personnes qui mouri en dans ministère là mais constato gen l'autre monde qui c'est monde ministère là qui t'est venu bailler service pour ministère là qui mouri dehors ministère là mais c'est dans cadre activité dans ministère dans sens ça m'ka cité un monde tant Kouagé Joseph qui c'est directeur départemental Nord-Est à l'époque qui t'est venu chercher l'aide pour employé département li qui à cause que le tap tonne l'aide là qui fait trembler en deux terre fait pour prendre le Port-au-Prince qui cause de perdre la ville. Si vous catégoriser date ça et si vous mettez date ça non bagaille quelconque c'est qui j'en t'ai considérer date ça. Qui j'en ca considérer date ça? Date ça nous ca considérer li pour que et les yo premièrement faut que nous croire dans la science. Les yo annonce de bagaille faut qu'on prenne conscience de lui parce que ça qui passé à ingénieur Claude Petit avec l'autre monde t'a annoncé depuis longtemps date ça doit dire nous pour nous garder environnement nous chaque l'aime prend sachet de l'eau m'a plagué la terre qui ça le représenter comme danger pour moi chaque l'aime fin bon bidon de l'eau m'a plagué la terre qui ça le représenter comme danger pour moi chaque l'aime coupe un pied bois qui ça lui représenter comme danger pour moi. Chaque lem sale là où y a me sale environnement côté m'a vivre là qui ça le représenter comme danger pour moi et qui gens pour nous mettre nous à l'écoute de la modernité, à l'écoute de la science et qui gens pour nous travailler pour nous réduire tout risque que catastrophe naturelle est capable porter, toute conséquence que catastrophe naturelle est capable porter parce que il y a des bagages c'est naturel yoyé. Ou pas qu'à faire rien pour y pas arriver mais ou qu'en pile disposition qu'on capable prendre
pour que les arrivés yo fait le moins de dégâts possible. Donc je pense que c'est leçon ça que nous capable tirer de ça qui est passé dans la catastrophe 12 janvier 2017. Sur ce, nous pas trouvé que nous au pied du mur et après une telle déclaration et nous connaît que nous en a fait avec le ministère de l'Éducation nationale et éducation peuple là. Nous pas pensé que là nous pour beaucoup et à responsabiliser nous. Et bon, c'est ça qui passé là, c'est pas une occasion pour aucun monde voyer toi sur aucun secteur. Même d'Akadi, ministère de l'Éducation nationale, a une grande part de responsabilité. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui à là. Il y a un grand chantier que le ministère a gagné, c'est le chantier réforme curriculaire. Parce que le 12 janvier était venu, il est venu joindre nous côté que dans le curriculum de l'école haïtienne, il n'a pas dit clairement les grands tremblements de terre qui comportement pour gagner. Il n'a pas dit que il te manque dit timounyo clairement qui comportement pour gagner par rapport à environnement yo, par rapport à la rue, par rapport à la cour que a vivre, par rapport à salle de classe côté yo, l'école yo. Donc journée jodi a c'est des bagages que réforme curriculaire là li doit charrier pour que en dans l'école haïtienne là contenu ça yo a passé pour que timounyo capable adopter de type de comportement qui est responsable par rapport à des événements tant que cyclone, tremblement de terre, etc. Et ce n'est pas Timounio seulement, c'est société en général. Et à côté du ministère de l'Éducation nationale, je pense que la presse qui a pour rôle former et informer, a une obligation pour réduire dans l'émission de divertissement, pour augmenter l'émission de formation pour que société a formé le plus possible pour capable faire face à des événements de ce genre qui capable arriver à n'importe qui l'heure puisque nous sommes pays qui exposé au risque sismique aux catastrophes naturelles. Ou bonne chance pour exprimer un dernier mot qui capable et envelopper et journée ça que nous organiser là dans le ministère de l'Éducation nationale. Dernier mot à, c'est prêter m'a prêter à sa directeur général là t'ai dit à la fin c'est un mot pour que sentiment de solidarité, d'entraide qui t'a animé nous, 12 janvier 2010, qui, pendant période 4 ans après 12 janvier 2010, là, qui disparaît là, pour me dire que sentiment ça, lui reparaît.